Et bonjour à tous, c'est Nispedelza, et aujourd'hui je vais vous présenter un mode qui va plaire à ceux qui aiment la dubstep, qui aiment les guns, et qui aiment Minecraft. Donc aujourd'hui, présentation du mode Dubstep Gun. Alors, pour ce mode, il y a 4 dubstep guns, qui se fabriquent chacun de base du first dubstep gun. Donc on va le créer tout de suite. Hop, voilà. Alors le craft, bon, il est pas seulement très logique. Donc on met un loup diamant tout en haut, deux blocs de redstone en dessous, notre bloc là, un jukebox ici pour tout ce qui est musique, un bouton là, un bouton là et un bouton là. Donc on a notre first dubstep gun. Alors quand on est dessus, on peut voir tout en haut à gauche qui a marqué 100. Si j'utilise, s'il y a une utilisation ou deux utilisations, ça part. Donc en fait, c'est, le principe est, il y en a 100. Dès que les 100 n'y sont plus, ben, ça marchera plus, à moins d'avoir une recharge. Et la recharge pour ce gun là est la redstone. Donc si je laisse tourner, vous voyez, hop. Voilà, je laisse tourner. Hop, petit lag, voilà. Il a très souvent. Voilà, j'attends d'arriver à zéro. D'ailleurs, j'ai posé la redstone. J'ai posé la redstone. J'attends que ça se vide. Et je vais montrer que à zéro ça bloquera. Vous voyez, c'est quand même un assez gros machin. Il est très bien texturé et il ressemble beaucoup. Et justement, de là où j'ai pris le step gun, c'est-à-dire ceux de Saints Row. Donc c'est quand même assez puissant comme arme. Ça va loin, il y a une petite explosion. Voilà, donc vous voyez là, je suis à 0 et puis ça marche plus. Mais si je prends une redstone, hop, je la mets, et voilà, vous voyez, elle est directement partie. Et j'ai à nouveau 100 de munitions. Donc c'est pas mal. Je vais le reposer. Hop. Et pour info, la musique qui est utilisée, c'est Energy Drink de Virtual Yacht. Après, nous avons le Dubstep Circular Gun, qui lui est un peu plus puissant. Alors, pour le crafter, c'est très très simple. Il nous faut un de base et un music disc. Je vais le mettre comme ça, voilà. Donc je le prends, alors lui on peut voir qu'il a, je regarde là, 250 de munitions. Donc on peut voir en haut à gauche qu'il y a 250 de munitions. Et sa recharge est le diamant. Donc il est plus puissant, mais en même temps c'est du diamant. Donc après faut voir. Et la musique est Circles de Kajou, je sais pas comment ça se dit. Après nous avons le plus puissant, qui est le Bad Killer. Donc on va créer ça tout de suite. Donc lui, il faut encore une base avec une Wither Skeleton Skull. Donc, pareil. Voilà. Donc il est assez dark, il est assez costaud. Lui, il a que 16 de munitions. Et il se recharge avec des blocs de redstone. Voilà. C'est assez dark. Et la musique, c'est Rocket Science de Adhesive Fumbat. Alors, ah, j'ai pas préparé. Bon, hein, petit fail. Je prépare tout ce qu'il me faut. Je suis un peu plus. Alors, attends que ça charge. Hop. Voilà. Alors, je m'étais trompé. Alors, lui, c'est le explosive dubstep gun. Alors lui, hein, le craft, vu qu'il est explosif, c'est un dubstep gun normal entouré de TNT. Et ça nous donne le explosive dubstep gun. Alors lui, il a que 8 de munitions, se recharge avec la TNT. Et lui, par contre, à différence des autres, explose tout.
Les autres font des petites explosions mais ne cassent rien. Alors que lui explose vraiment tout. Donc ça c'est costaud. Et la musique est Love Story 2 de Elliot Bastien. Voilà. Donc voilà, un petit mode vraiment très très sympa, assez utile. Parce que moi je m'amuse un peu avec un mod pack et on utilise ce mode là. Et c'est vrai que c'est assez puissant. Même rien que le premier est vraiment prend très bien parce qu'il est puissant. Il consomme que la redstone, donc la redstone, si on a tout le temps un stack sur nous, on est tranquille. Donc vraiment un mode très sympa. Pas très lourd. Qui est assez utile. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite réinstallation de mode vous aura plu. Si vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vert, un commentaire, ou si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Allez, salut!